Choose your character! Oh, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, et aujourd'hui on se retrouve... Chut, je parle. Arrêtez de me couper. On se retrouve pour le chapitre... Enfin, l'épisode numéro 4 sur Dishonored. Tout, avec Corvo Atano, en étant gentil, même s'il a plus sa marque sur la main, parce que le jeu, il veut pas, il est méchant. Voilà, on se retrouve à Cerkonos pour essayer d'éliminer, enfin de retrouver surtout, le tueur de la couronne qui apparemment est à, ici, à Demir, qui est une maison... merde, comment on appelle ça? Où il y a des fous dedans, un asile, ouais, je crois que c'est à peu près un asile, je crois. Je suis pas sûr, enfin un truc de... voilà. ...au nom de l'impératrice déchue, Emily Caldwin, par la main de l'ancien protecteur royal, Corvo Atano. La grande garde cerconienne... Nous avons rien. Et interroger tous les étrangers et les nouveaux. Ouais, c'est ça, ils veulent m'arrêter et qu'ils y aillent, qu'ils essayent. Ah oui, il faut aller à la boutique clandestine aussi. Bah alors, c'est pas bien de voler les gens. Monsieur, on vole pas les gens comme ça. Ça se fait pas. Ça se fait pas, même si c'est un crétin de garde qui a sûrement été contre moi, que c'est un traître. Alors, ah, alors là, ça. Marché clandestin. Bon, voilà. C'est vrai. Qui dit contrebande, dit armes et munitions. C'est vrai, bon là le signe dit qu'il y a un marché clandestin, c'est vrai, c'est vrai que... Venez. Wouh! Mademoiselle, on propose ça comme ça dans la rue, franchement. Désolé. C'est vrai que Corvo, il joue, faut que je m'habitue qu'il parle tout le temps. Bon écoutez, il y a une dame qui nous appelle, hein, avec des beaux tatouages en plus. Je dis pas non. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Et une belle épée. Alors, si c'est une proposition sexuelle, madame, sachez que ce sera oui. Sachez que ce sera oui. Je suis seul, je m'en fous, je suis à bout. Allez, vas-y. Allez, accordez-moi juste une minute. Je peux vous envoyer. Je peux aller plus loin qu'une minute. Hein. Votre masque me dit que vous êtes quelqu'un qui se moque des barrières et des interdits. Vous voulez me donner un coup de main? À charge de revanche. Je suis sûr évidemment. Que c'est un personnage que Moustique adorait. Je dois aller à l'Institut Adermir. Vous pouvez m'aider? Ouais. Je peux vous être utile. Vous allez me chercher encore. Et je vous file un coup de main. Je vous rassure, il est déjà mort. Ah d'accord. Vous voulez que je vous apporte un cadavre? C'est quoi cette histoire? Vous êtes... Les superviseurs le gardent dans leur avant-poste. Ils croient que c'était une sorte de sorcière. J'ai mes raisons de vouloir le récupérer. Prenez-le discrètement et rejoignez-moi dans le vieux sous-sol du chirurgien-dentiste. D'accord. Je vais y réfléchir. Alors cette dame nous propose de nous aider pour aller jusqu'à Adémir, en tout cas pour franchir... Pour aller jusqu'à la dernière. Ok, d'accord. C'est le bras droit de Paolo. Ah, c'est le bras droit de Paolo, je savais même pas ça. C'était une personne différente. Oulé, il y a plein de trucs. Et là, vous voyez, il y a plein de runes, il y a plein de charmes d'os. Bon, j'ai les charmes d'os que je dois avoir absolument. Oh, il y a plein de trucs ici. Excusez-moi, parce que, excusez-moi, je regardais pas du tout par la porte, hein, madame. Bon, on va aller voir quand même l'homme de la boutique. Ah mais range tes armes, Corvo. Oh, c'est joli, c'est stylé quand même, quoi. Il range son arme. Un nouveau client est riche, je parie. Oh, flatteur. Il me connaît bien, cet homme. Je vais tricher parce que je vais te voler. Ah oui, je l'ai pas dit, mais je vais voler tous les gens de la boutique. Voilà. Ah oui, 24 améliorations disponibles. Parce que bon, j'ai gagné les améliorations que j'ai déjà eues. Profitez de l'air pur. J'ai fait le jeu la première fois. Pas du requin fermenté, moi, heureusement. Ouais, il me parle mal en plus. Alors attendez, parce qu'on va s'acheter. Bon, les carreaux, on s'en fout. Et ça, on s'en fout. Ah, les carnes. Alors, les carnes nécessaires, vous remarquerez que vous en avez que 5. Et alors, quand je disais que dans le premier épisode, ou ouais, le premier épisode, je disais que dans Dishonored 1, il t'aidait un petit peu pour tuer, pour ne pas tuer, pour faire de matière non létale de tuer, de ne pas tuer les gens. T'avais des carreaux d'armée, tu pouvais en avoir jusqu'à 10. Parce que tu pouvais augmenter. Là, tu pourras ne avoir que toujours 5. Vous n'allez pas le regretter. Par contre, et ça, c'est sûr. Bon, alors, on va s'acheter 5. Ça, on s'en fout. Ah, les mines, des mines. Ça, c'est bien aussi. Ils ont rajouté ça pour aider à ne pas tuer les ennemis. C'est maintenant, t'as des mines qui paralysent. Ça ne tue pas, ça paralyse. Bon, du coup, on en a acheté deux. Qu'on puisse s'entendre. Les grenades, on s'en bat les steaks. Je suis presque pauvre. Alors là, il a une rune à acheter, mais bon. Et une cargaison engloutie. Deux marins ont indiqué où trouver un bateau qui a coulé avec des marchandises à son bord. Ça peut être intéressant. Bon, pour l'instant, on va rien s'acheter. À part des améliorations. Ah, vous voulez des plans d'armes plus puissants? Comme par exemple le canon. Alors on a carreau anesthésiant, ça endort plus rapidement les gens. Ça me va.
Qu'est-ce qui pourrait être maître utile? Ah oui, attendez, parce que j'ai des trucs... Ah, réduit votre visibilité dans les zones éclairées. Voilà, on va acheter aussi ça. Et j'ai plus d'argent, je suppose. Faut que je vole plus. Bon, en tout cas, on voit moins bien. Revenez vite. Enfin, si je suis encore là. Oui, bah alors je vais sûrement t'endormir pour voler tout ton pognon qu'il y a. Vous vous inquiétez pas, je vais faire un truc, c'est de voler tous les marchands du jeu. Parce que je les ai déjà volés plusieurs fois, et que c'est une habitude, et après, sinon, ils vont croire qu'ils vont, se laisser faire. Alors, attendez, parce qu'il faudrait que je fouille un petit peu tout ça. Du coup, on va par là, ok. Du coup, il faut que je m'occupe de la personne que je trouve un corps. Ah, d'accord, maintenant, j'ai débloqué pour aller par là, ok. Alors, attendez, parce que moi, j'ai mes pouvoirs de clignement. Du coup, on va monter là-dessus. Un double saut, je peux pas. Moyen, y a pas moyen de non, y a pas moyen de monter. Ah, y a pas moyen de monter là, t'es sûr? Attends, ah, je peux peut-être gruger le jeu là. Ah, bah voilà, j'ai grugé le jeu. Parce que normalement tu peux pas monter sur les petits trucs là, hein. Moi j'ai réussi. Bon, j'aime bien gruger le jeu, vous savez, dans 19. Bah vas-y, monte. Il y a une rune à proximité. Qu'est-ce qu'il est? Oui, elle est en dessous, oui, je sais ça, merci. Attends, c'est pas ça que je voulais. C'est pas ça que je voulais. C'est, voilà. C'est House Dice. Hop, alors ça c'est de l'argent, c'est du pognon. Bon, là il y a rien dedans, je suis con, j'ouvre pour rien. Parce que je vois à travers les murs, je rappelle. Oh, une petite pomme, c'est pour ma pomme. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Ouh, mais ça c'est pour moi. Non, bon, y'a personne. Oh, bah t'as vu, y'avait quelque chose dedans. Mais la vision des ténèbres ne l'a pas montré parce que voilà, elle est moins bien. Tout simplement. Alors quand je rengaine mes armes aussi, je me déplace plus rapidement. Et aussi, j'ai acheté aussi dans, un truc qui me permet, dans l'épisode précédent, une rune, comme j'avais toutes mes runes, à pouvoir me déplacer plus rapidement. Réjouissons-nous de notre impératrice de merde, ouais. Oh bah tiens, il y avait des mines là. Une grenade. Hop là. Ah ouais, on ouvre la porte, c'était la porte d'ici. Hop là. Hop, on mange un petit truc. Oh, une carotte. Une pomme de terre et une carotte. Voilà, c'est, les 40, la carotte, ça rend aimable. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est une pendule, ça. Ah non, c'est un truc à voler. Attends, c'est un truc à voler, ça. Oh, oh oui, c'est une bourse de pognon. Monsieur Waterby, ne comprenez sur vous pas, ne comprenez pas sur moi, hein? Ne comptez pas sur moi pour, vous être, pour être votre assistant. Si vous voulez ce travail, allez récupérer la clé de la boutique chez mon ancien assistant. Vous avez dit, voilà l'adresse, vous avez dit. Vous avez visiblement oublié de préciser que cet ancien assistant n'a pas démissionné, mais il est mort dans un bâtiment tellement infesté de mouches de sang que la grande garde l'a condamné. Comment récupérer la clé maintenant? Je suis prêt à faire beaucoup de choses pour qu'on ne me donne... Qu'on me donne du travail, monsieur Waterby, mais le suicide n'en fait pas partie. Je sais que vous trouverez quelqu'un d'autre, un pauvre bouc, plus naïf ou plus désespéré que moi, mais laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas juste. Carlito Bolina. Ok, maintenant nous savons où trouver la clé pour dévaliser la boutique. Ça c'est bien. Et ça j'aime bien. Ça c'est bon. Ah si c'est bon ça. Bon alors, hop là, déjà, on va fouiller un petit peu. Alors je pense que je vais faire comme ça. Une petite découverte de l'endroit. Et je couperai les passages où je vais chercher les charmes d'os. Parce que bon, je vais pas faire. Sinon, ça va durer. Ça va faire des épisodes de 1 million d'épisodes. Voilà, ça va faire des vidéos de 1 million d'épisodes. Je suis entré. Oubliez pas d'avancer lentement. Et vous approchez pas des nids. Ça fait du pognon. On n'est même pas sûr que ces gens avaient de l'argent. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont morts. Et ah, ça veut dévaliser. Ça me prend mon exemple. C'est pas bien, les gens. Je te rappelle qu'on passe ici pour franchir le portail foudroyant. 20 murs. Ah, de l'alcool fort inflammable, je le prends. La ville comme nous, c'est notre seule chance. Non, on a toutes les chances de finir piqué à mort. Alors ça veut dire qu'il y a des mouches de sang hein, dans le bâtiment, il a été condamné. Hein. C'est écrit condamné pour infestation. Et c'est pas à cause du coronavirus. C'est infesté. Quand j'étais. Ah bah tiens, il parlait corvo, je l'ai coupé. Destruction des nids de mouches de sang. Je vous laisse lire. Voilà, alors ça dit tout simplement que des mouches de sang, ils font des nids. Et pour tuer les mouches de sang, il faut détruire les nids. Tout simplement. Je n'en jetais des pierres sur ces nids.
Allez, en douceur. Et jamais trop près. Voilà, il faut y aller tout doucement. Et faut, en fait, faut les brûler. Saloperie. Voilà, saloperie de mouches de sang. Et ça c'est le plus chiant. Dans Dino 1, c'était les rats qui, quand ils étaient plusieurs, ils vous bouffaient, c'était des pieds rana. Comme je disais dans le premier Dishonored. Et là, c'est des mouches de sang. Que je trouve un peu... Bah, c'est moins bien que les rats. C'est... Enfin... Ouais, non, il y a un truc de chiant avec les mouches de sang, vous le découvrirez un peu plus tard. Quand tu veux faire le jeu, bien sûr, en non létal. Hop là! Allez, ça brûle tout ça! Les petites mouches de sang, bien cuit. Il y en a une qui vole encore. Ah, il y en a plein en haut. Ouh là là, il y en a plein en haut. Ah, oui, là, c'est infesté. Quand je vous dis que c'est infesté, hein. Saloperie! Voilà. Hop, on vole ça. Ça, c'était un réveil, on s'en bat les steaks. Ah, et ah oui, quand tu détruis les nids aussi, ça peut te lâcher des ombres rouges. Bah, qui te donne du pognon. C'est pour ça que c'est bien de les détruire. Ok, là il y a une carotte. Ok. On fouille toujours bien les endroits. Il faut juste que je prenne de l'alcool qui brûle. Attendez, j'en ai vu un tout à l'heure. Je suis passé devant. Ça, c'est inflammable. Maintenant, vous avez vu, en fait, vous avez des trucs qui enflamment. Hop là. Allez, brûlez. Brûle, pourriture communiste. Et qui vole et qui pique. Voilà, la dame, elle a été brûlée. Et vous voyez, en fait, enfin, elle a été brûlée. Parce que je viens de la brûler, mais... les mouches de sang infestent les gens. Et comme aliens, ils ressortent du petit bidon. Voilà. En fait, vous êtes leur bitch. Leur cocon. Le corps humain et leur cocon. Et alors, il n'y avait rien d'autre ici. Il n'y a pas un autre truc pour d'alcool qui brûle. Attends. Il faut de l'alcool. Ah mais il y a un monsieur là, j'avais même pas vu le cadavre. Excusez-moi monsieur, je vous ai marché dessus depuis tout à l'heure. Ah merci, vous avez de l'alcool à fois. Vous avez rien sur vous. Vous avez rien sur vous, vous êtes un pauvre. C'est dégueulasse. Hop là. Oh attendez, il y a quoi là? Ah, c'est du raisin. J'ai pas faim. Voilà, on y va doucement. Ah. Oh, lui il est plus gros. Voilà. À moi. Saloperie. Bon, ça c'est des nids qui sont pas activés. Ah. Encore des trucs inflammables. Hop. Maintenant vous avez des bouteilles en tout genre que vous pouvez lancer pour brûler. Même pour endormir. Que vous découvrirez un petit peu plus tard. Bon, pour l'instant je m'en sors plutôt pas mal. À moi. Un petit charme d'os. C'est quoi le charme d'os qui peut être utile? Bon, de toute façon on va tous les mettre, mais bon. Vous récupérez un peu plus vite après une chute. Ouais, c'est pas utile du tout. C'est pas utile du tout. Hop, ça c'est pour moi. Hop là. Ça se détruit parce que voilà. Hop, ça c'est pour moi. Ça c'est des poires, mais elles sont dégueulasses. Elles sont pourrites. Il y en a un qui est coincé dans le mur ou c'est moi? Alors hop. Ah, alors attendez, oula. Il me faut d'autres bouteilles. J'ai pas pris d'autres bouteilles. Là. Merci. Par contre, il faut que j'en retrouve d'autres parce que je vais vite être à court. Brûlez! Saloperie! Ah, c'est casse-couille ça, hein. Oh putain, il y a tous les gens de mort là, ici. Ah bah, je suis à fond au niveau. Au niveau munitions de pistolet. En même temps, j'utilise pas. Oh, mais ça c'est pour moi! Voilà, un petit peu de pognon. Est-ce qu'il y a une bouteille? Oh putain, bouteille vide. Un monsieur mort. Ah, il y a encore des saloperies là. On peut faire du piano? Oh là là, il s'excite. Je sens. Oh là là, j'ai la manette qui tremble. Ça s'excite. Hein. Ça s'excite. Du coup, hop là. Ah, lui, c'est bien. Il avait des carreaux incendiaires. Ah, bah cool. Je peux retrouver des carreaux incendiaires ici. Mes détestés voisins, vous m'avez chassé de ma maison et vous avez enfermé Luciano à l'intérieur en le traitant comme un animal malade. Oui, il s'est fait
piqué par des mouches de sang, mais il est en pleine forme et il vous le fera regretter quand il sera rétabli. J'ai envoyé les enfants chez ma mère, mais moi je reste ici. Dites ce que vous voulez, je ne l'abandonnerai pas. Barricadez-moi à l'intérieur également si vous avez peur que le grand vide vous emporte tous, Bettina. J'ai fait la voix d'un homme, mais parce que elle avait une voix très très rauque, je la connaissais personnellement. Voilà, elle avait un problème de gorge, elle fumait trop. Alors du coup, on va utiliser les flèches incendiaires, vu qu'il y en a en trop là-bas. Allez! Oh merde! Ah! Putain, j'ai pas eu le nid, ils étaient trop nombreux. Voilà. Bon bah maintenant, faut que je récupère. Putain, j'ai utilisé trop de flèches incendiaires. Putain, ils étaient trop amassés, du coup la flèche est partie là où ils étaient réunis. Bon bah c'est pas grave. Je pourrais en voler aux marchands après. Y'en a plus? T'es fini? Ah ça c'est à moi déjà. Ah bah là il y en avait de l'inflammable. Putain, il y avait une bouteille. Oula! Wouhou! Allez, venez, venez, allez, venez, venez, je vous défonce. Saloperie! Aïe, 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 ça pique, aïe, aïe, ça pique, aïe. Vas-y, vas-y. Putain, mais je vous ai pas tous brûlés là? Wouhou! Mais t'as vu, c'est chiant ces saloperies. Saloperie. Excusez-moi, parce que là il y a pas mal de trucs. Une chaussette? Je veux envie de voler une chaussette. Là il y a rien. Ça c'est pour moi. Il y avait juste ça ici? Oh, je suis déçu. Oh, par contre la dame elle a eu dans le dos. Oh, ça doit faire mal au dos ça. Quand elles sont sorties du dos, les mouches de sang là, elle a dû le sentir passer. Ah! Ah merde, ils sont pourrites. Ah bah là il y avait des trucs inflammables. Oh, ça brûle pas le bois. J'ai cru. Bon bah voilà maintenant. Ça m'a... Je suis un homme recherché une fois de plus. Home sweet home. Home sweet home. Bon maintenant, ça me fait accéder à ici. Et c'est parfait. Alors attendez, juste regarde un truc. Ok. Ok. Alors par contre, à chaque fois, la clé de la boutique, elle est où ici? Je la cherche tout le temps, c'est fou. À chaque fois je la cherche et en fait elle est quelque part et je sais jamais où. A few moments later. Bon bah j'ai décidé de chercher plus tard la clé hein. De la boutique, je la volerai plus tard. Et pour l'instant, il faut que j'aille par là. Alors j'aurais pu passer aussi par là. Il y a plein d'endroits où passer hein, bien évidemment. Et il y a plein de gardes aussi qui sont un petit peu chiants. Du coup attendez, hop là. On fait ça. On se cache. Enfin, on se met à couper. Alors, hein, il faut que j'aille par là. Et je peux passer. Et par là, c'est quoi? C'est l'avant-poste. Hop. Voilà. Hop. Bon, on prend ça. Alors, voilà. Ah, ouais, maintenant, il y a des bouteilles de chloroforme que vous pouvez jeter pour endormir les gardes. Hop, voilà. Je vous laisse lire si vous avez besoin de lire. Patati patata. Et alors là, je sais qu'il y a une rune qui est cachée là-dedans. Et il faut que j'aille par là. Mais du coup, le corps du monsieur se trouve quelque part. Déjà, on va là. Moi, des récoltes. Ces paroles sont à jamais gravées dans ma mémoire. Elle a levé les yeux vers moi et m'a demandé. Bonjour, de monsieur. Les hôtels dédiés. Comment allez-vous dans les îles. Son innocence était feinte. Car hop là. En elle une âme noire. Attendez, je vais vous mettre. Son si éveillé, je l'ai interrogé sèchement. Je vais vous mettre là, personne ne va. Elle a fini par m'avouer qu'elle jouait seule dans la boutique désaffectée d'un sculpteur en bordure de la ville. Ah, de purger les murs. Ça raconte des trucs, ça raconte des conneries, Elle se glissait à l'intérieur et descendait à la cave. Parfois, je me dis qu'il vaudrait mieux fabriquer les boîtes à musique dans chaque enclave. Ici, par exemple, de cela, on les assemble dans plusieurs endroits, à l'écart, et ensuite on les emploie. Oui, là, il y a des gens. Il serait bien pire de répandre le savoir-faire et les matériaux nécessaires dans toutes les îles. Les métaux utilisés sont particulièrement rares. Attends qu'ils bougent, hein, parce que sinon je me tiens un petit peu l'opérèche. Utilisés par les superviseurs les plus dévots. J'imagine que vous avez raison. Mais je frémis à l'idée que des membres de secte puissent s'emparer de boîtes à musique
et en détourner l'usage. Et vous avez raison, frère. Oh, c'est bon. Il faut protéger un outil de cette puissance. L'assembler en secret, puis l'envoyer aux quatre coins de l'Empire pour repousser toute engeance surnaturelle. Oh, ben, ah putain, les vrais... Hein? Les vieilles mémés, là, il faut que de parler. Ainsi, nous sauvons nos prochains par centaines de l'horrible discorde qui les attend après la mort. Ne laissez allez, pas le vagabond entrer chez vous, mes amis. Bah, rentre dans la pièce, voilà, c'est ça, rentre dans la pièce. Bon pour lui d'en... Merde, allez. Ah, mais je peux. Hop, on fait les poches. Et au dodo. Voilà. Oh, comment il est tombé. Oh, attends, on éteint les... Oula, il y a beaucoup de bougies à souffler. Si c'est votre anniversaire, profitez-en. Alors, attendez, hop. Il y a un livre à lire. Voilà, si vous voulez lire. Ma mère était une fidèle dévouée. Elle trouvait du réconfort dans les canons. Elle tirait souvent au canon, putain. Elle était forte, la maman de Corvo. Ah, elle parle des canons, c'est un genre un truc comme la Bible, quoi. Alors, il y avait resté ce con qui va me faire chier. Ouh, mais je peux faire ça. Et hop. Au dodo. Voilà. Et je lui vole son pognon en même temps. Voilà, va faire dodo avec ton petit copain. Allez, bonne nuit. Bonne nuit les enfants. Faites pas de cauchemars, hein. À part Corvo qui vous attaque dans votre sommeil. Alors attendez, parce que je crois qu'il y a encore un monsieur par ici. Il y a encore un monsieur par ici. Voilà, attendez. Je sais comment l'avoir, ce vilain gredin. Sachez que nous vérifierons cette rumeur et que nous agirons en conséquence. Nos actions vertueuses brilleront comme un phare pour guider les autres sur le droit chemin. Alors attendez, est-ce qu'il faut que je trouve l'angle pour lui mettre KO? Attendez, normalement il y a un qui va apparaître ou pas. Ah toujours. Oui, alors c'est le problème de ça, c'est quand un ennemi est de dos mais sur une chaise. Le problème c'est que il n'y a pas d'animation comme quoi il pourrait l'endormir sur une chaise. Genre Corvo pourrait sauter, enfin pas sauter mais se lever et lui attraper le cou et l'endormir, voilà, lui faire un gros câlin par, derrière la chaise, mais il n'y a pas cette animation là, ce qui est un peu con. Il n'y a toujours pas ça, du coup il faut que j'attende qu'il bouge. Je dois puiser la force. Alors attendez, du coup frères, je vais faire car nous ne ça. Hein, on aurait dit un bruit de... Voilà, c'est bon. Ouh, j'ai eu chaud. Voilà, je l'ai attiré avec le bruit du verre et du coup ça l'attire et du coup il a pu se lever. C'est ça le problème. Alors il y a certains personnages, si vous vous mettez bien genre en diagonale par rapport à son dos, il y a le R1 qui s'affiche et du coup bah, le mec se lève d'un coup, il pop comme ça en se levant et du coup vous pouvez le mettre KO. Mais bon, il y a des fois bah, le R1 faut le trouver et il marche pas. C'est comme ça qu'il a vu. Oh, il y avait un truc inflammable, j'aurais pu brûler le monsieur. Lettre non envoyée au grand superviseur. Estimé le grand superviseur. Gna, 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 je vous laisse lire si ça vous intéresse. Titata, titata, titata. Hop, voilà. Ça, voilà. Une machine à écrire. Ding. Bon, il y a un plan, mais je l'avais déjà. Du coup, ça me donne des pièces. Et là, il y a un coffre. Ok, alors là, c'est un truc. Alors, attendez. Le coffre, je sais comment faut l'ouvrir, mais je sais plus comment. Je crois que c'est ici. Voilà, déjà, hop, ça c'est pour moi. Alors, souvenez-vous des 7 canons et surtout, esprit dissipé, main impatiente et langue. Alors, esprit, main, langue. Ok. Esprit. Hop là. Alors, déjà, esprit, main, langue. Du coup, là, le esprit, il est en 7. Ensuite, les mains sont en 3. Et la langue, c'est en 2. Donc, ça fait 7, 3, 2. 732, normalement. Si je m'abuse. La première fois, je l'avais trouvé le truc. Mais j'ai dû me tromper sur un chiffre. Et j'ai galéré à comprendre. Mais si je croyais que c'était ça. J'ai dit, mais alors, c'est pas ça, c'est quoi? Et en fait, j'étais sur internet. Et j'avais bien la solution. C'était bien. J'avais bien trouvé. C'est juste que bah, j'avais dû me tromper d'un chiffre. Et j'ai pas compris comment je me suis trompé. Parce que je suis un con sur moi aussi. Allez, allez. 7, 3, 2, j'ai dit, hein, c'est ça. C'était ça. Ouh, bah je suis pas trop con, hein. Ah oui. Une rune. Et du pognon. Oh, des lingots d'argent. J'adore les lingots d'argent. Ah, parce que l'argent en anglais, ça se dit silver. Et moi, j'aime bien. Aïe. Personne n'a entendu. Une semaine, elle se glissait à l'intérieur et descendait. J'ai cassé. J'ai cassé.
J'ai cassé la vitre, mais j'avais. J'ai cassé la vitre en explosant la grenade à côté en même temps. Le vice-superviseur, hop! Le vice-superviseur Liam Byrne. C'est le nouveau vice-superviseur hein, maintenant. Bon, alors du coup, est-ce qu'ils m'ont repéré? Est-ce qu'il y a des gens sûrement dans le bâtiment? Mais ah oui, en toute façon, je peux pas les repérer parce qu'ils sont à 5 mètres en dessous de moi. Du coup, ça, c'est les gens qui dorment. Ça, c'est leurs épées que j'ai fait tomber. Ok, d'accord, j'ai récupéré tout. Il faut que je monte à l'étage maintenant. Crétin de cheval. Attendez, je crois qu'il y a un livre ici. Je vous laisse lire. Alors, attendez, du coup, faut que je remonte. Oui, non, mais je suis con, c'était là, j'y viens d'ici. Et glissade! C'est important, bien que je n'ai pas complètement compris pourquoi. Il faudra attendre l'arrivée du vice-superviseur Burke. Quand doit-il arriver? Il est occupé, il enverra ferme la porte. Sa place. Le superviseur Kindana, peut-être. Ok. En attendant, on ne bouge pas d'ici. Le cadavre de l'hérétique ne va pas attirer les mouches de sang, frère. Je peux me mettre là? Non, je l'ai déjà saupoudré. Pour le moment, on ne craint rien ici. Coucou! Mais crois-moi, si quelqu'un se présente ici, ses intentions sont tout sauf pures. Les coïncidences, ça n'existe pas à Karnaka. Bon, par contre, il faudrait que je mange un petit truc. Ou que je reprenne de la vie, j'ai 10 de santé, de fioles de santé. Voilà, pourquoi pas les utiliser. Alors attendez, parce que j'attends que cela se retourne. Voilà, viens là, mon petit. C'est ça. Ouh, il a du pognon, le monsieur. Mais c'est bien ça, j'aime bien quand les messieurs ont du pognon. Voilà, un gros câlin, fais dodo, fais dodo. Chut, chut, chut. Tu n'auras jamais rien compris de ce qui s'est passé. Hop. Hop là, on va te mettre ici. Tu vas être très très bien. Maintenant je vais m'occuper de ton copain. La discrétion. Ah lui il a une clé. Alors hop, il a une clé. La clé de la salle d'interrogatoire qui doit être juste derrière moi. Voilà. Je le porte. Bon je vais le laisser dans son bureau quand même parce que je suis sympathique. De toute façon personne vient le chercher. Ah bah voilà le cadavre que je devais chercher la demoiselle bien tatouée. J'aime bien. Extrait d'un compte rendu à interrogatoire. Nia nia nia. Voilà. Je vous laisse lire si ça vous intéresse bien évidemment. Ah une petite mine. Oh on pourra dire que cet homme il avait une petite mine. Ah bah tiens regardez elle bah tiens elle est recherchée aussi. Bah ça voilà mine. C'est Mindy Blanchard. Dangerous, not to be trusted. Je me suis entendu parler anglais, j'ai dit oh putain. Snake, ça se voit que t'es pas anglais du tout. Ça se voit que t'es pas bilingue. Oh, une petite mine encore. Oh, je suis à fond dans les mines, ok. Bah voilà le corps, en tout cas, qu'il faut que je trouve. Hop, oh bah tiens, un petit charme d'os. Ouais, du pognon. Ah, mais il y a des bouteilles. Alors attendez, je vais juste regarder. Voilà, hop, les charmes d'os. Qu'est-ce que j'ai trouvé que de bien? Vos carreaux infligent plus de dégâts. Ah, ça c'est bien. Alors ça c'est un exemple de charme d'os qui a été corrompu. Vous voyez, il offre un bénéfice, un truc bénéfique. C'est que les carreaux infligent plus de dégâts. Bon, là je vais tuer personne, je vais pas pouvoir l'utiliser. Mais au contraire, il offre aussi je cherche le mot. Un effet néfaste aussi, c'est que les carreaux se brisent systématiquement à l'impact. Ça veut dire que vous pouvez plus récupérer les carreaux sur les corps ou là où vous avez tiré. Est-ce que vous pouvez récupérer les carreaux s'ils ne se cassent pas? Voilà, ça c'est un, comme on dit, un charme d'os corrompu. Bon, je vais pas l'utiliser parce que je tue personne, les carreaux. À part les carreaux anesthésiants, je crois qu'on peut. Si les carreaux anesthésiants, peut-être les récupérer, je sais plus. Je sais plus. Car les carreaux anesthésiants, je trouve ça un peu spécial, comme ça on dort. Bon, alors du coup, on va prendre ce monsieur. Il est là. C'est le corps que Mindy veut récupérer. Est-ce que je l'avais vu avec vous ça ou pas? Non, je crois pas. Bon, c'est pas intéressant. Hein. Est-ce une malédiction ou une chance de rester dans ce monde après sa mort? Ah bah ma pauvre, c'est vrai que ma pauvre Jessamine d'être transportée en tant que cœur. Bon, c'est vrai que c'est un peu une malédiction, mais tu m'aides beaucoup aussi. Bon, voilà, les plans, j'aime bien parce que les plans, ça me sert à rien, j'ai l'hygiène. Attendez une seconde. Alors attendez, lui juste je vais le mettre là. Excuse-moi, je te pose là mon gars. Parce que je suis sûr que il y a des gens ici. Oui, oui, oui. Alors j'aime bien ce qu'il a il a un petit peu repéré lui. Mais je suis sûr qu'il en a un deuxième. Hop là. Il faut maintenir une vigilance constante contre l'outsider.
Il connaît mon cœur, il me met à l'épreuve. Mmh. Il me nargue. Je ne céderai pas. Attendez, on va faire ça. Voilà, je ralentis, j'arrête le temps. Et lui aussi, voilà. Comme ça, je peux avoir les deux directement. Ah merde, non, je voulais pas arrêter le temps. Oh putain, oula. Oh, comment il a fait un petit wouh, un petit saut. Ok, bon, voilà, comme ça, ça m'a. Comme ils étaient l'un côté de l'autre. Des fois, ils peuvent entendre un l'allié, par exemple, s'ils sont à quelques mètres l'un de l'autre. Si j'aurais endormi ce monsieur-là sans utiliser l'arrêt du temps, et eh ben son pote aurait peut-être pu l'entendre quand je l'endors. Mais bon, je crois qu'il faut être, qu'il soit à une certaine distance. Et comme j'étais pas sûr de la distance, j'ai préféré arrêter le temps, c'était plus efficace. Bon, par contre, c'est magnifique. Hein. Attendez, je vais prendre un petit peu de. J'ai dit que j'allais prendre un petit peu de hauteur sur la situation. Putain, je peux pas monter. Oh putain, heureusement que j'ai le double saut quand même. Voilà. C'est joli quand même. On peut pas dire qu'il est pas beau comme jeu. Ce serait un peu mentir quand même. Bon, il est pas non plus. C'est pas. Vous savez, le jeu. C'est pas non plus GTA 5. Enfin, GTA 5 à l'époque quand on était sur PS3. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il est quand même beau. Voilà, rat! Saloperie! Bon, il y a toujours des rats. Hein. Il n'y a plus la peste, mais toujours des rats. Hein. Saloperie, viens là! Voilà, ça c'est pour Shiro. Je donnerai à manger à Shiro, au chat de Katz. Ouh, mais il y a du pognon ici. Paolo, voilà le paiement de la semaine. Voilà, bah, le paiement de la semaine, ce sera pour ma petite popoche. Excusez-moi, parce que je digresse. Je sais que je dois pas aller par là, mais parce que je sais que là. Voilà! Il y a des bouches de sang déjà, premièrement. Saloperie. Putain, ça a brûlé. Ça a rien brûlé. Si, ça m'a brûlé un petit peu. Bon, voilà, j'ai préféré brûler le corps. Viens là, saloperie. Voilà, excusez-moi, monsieur. J'ai eu brûlé votre corps, mais c'était vraiment nécessaire. C'était nécessaire. Parce que vous aviez un charme d'eau juste ici. Résistance au souffle. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Alors les explosions vous infligent moins de dégâts. Bon vas-y on prend pour l'instant. De toute façon j'ai pas grand chose comme comme charme d'os. Alors de toute façon attendez j'ai peut-être dit des conneries. Non c'est ça, j'ai pas tous mes charmes d'os. Non c'est ça, j'ai pas. Oui il faut que je retrouve les charmes d'os. Excusez-moi, j'ai eu un doute pendant un moment, j'ai dit non en fait j'ai tous ou pas. Non je les ai pas. Le Snake 530 en train de perdre la boule. Ça y est, il perd la boule le Snake 530. Hop là. Ah oui mais attendez parce qu'il y a des runes qui sont importantes. Parce que vous avez l'outsider qui vous parle. Ah. Et elles sont juste là. Bon attendez, bon, c'est juste sur mon chemin. Je vais faire ça et après je vais aller donner le corps à mademoiselle Mindy Blanchard. Mindy Blanchard. Un nom français quand même. Hop. Je reconnais la puanteur qui dégagez. Est en vide. Nous recherchons des artefacts hérétiques. Hein? Ici? Attendez, je dois seulement. Cette zone est interdite d'accès sur ordre de l'abbaye. Personne n'est autorisé à entrer. Ah ouais, il y a des gens ici. Et le problème, c'est que pour rentrer. Alors attendez, je vais sauvegarder parce que je vais tenter une chose que j'avais déjà fait lors de mes premières fois sur le jeu. Je vais tenter un truc comme ça. Je vais essayer de les attirer parce que maintenant les portes peuvent être destructibles. Enfin, certaines portes. Hein. Certaines portes peuvent être destructibles, ça dépend du jeu. Mais certaines portes en bois comme celle-ci peuvent être destructibles. Du coup, je vais me téléporter là. Normalement, il va aller voir. Non, il va pas voir. Ah non, d'accord, et le mec il a vu une putain de porte se faire défoncer. Il s'en va les steaks. Ok. D'accord, tu y vas pas. Tu s'en vas les steaks. Ah bah ok, il s'en va les steaks. Hein. Putain, je peux lui faire les poches d'ici. Est-ce que je peux. Attendez, je vais essayer un truc. Hein. Attends, il bug là. Il va pas voir. Genre j'ai fait du bruit là.
quelqu'un a vu quelque chose et maintenant... Il y a quelqu'un ? Mon pauvre cœur... Ah non ! Ah, si, ça y est. Pardon, excusez-moi, j'avais... Oh, what ? Les canons. D'accord. Bon, heureusement, j'ai sauvegardé. Mais on est d'accord que c'était pas logique, quand même. Ce monsieur... Il s'est retourné pile poil au moment où je suis descendu derrière lui. En plus, j'étais silencieux parce que j'étais accroupi. Bon, après, il y a des, un petit peu, les chutes peuvent faire un peu de bruit. C'est vrai que j'ai pas... Mais nous, quand même. En plus, ouais, bon. Il se dirigeait normalement sur le, vers le bruit. Bon. J'ai fait du caca, on va dire que j'ai fait du caca. Ah bah, parfait. Il m'a tourné un petit peu le dos. J'étais sur le côté, bah c'est bon. Allez, au dodo, monsieur, au dodo. Hein. C'est fini maintenant, les conneries. Hop là. Ouh, mais là, il y a un piège. Ah bah non, il y a piège. Car elle baigne dans de sombres eaux. Attendez, il y a ce monsieur là, là-bas. Coucou. Excusez-moi, je vais me téléporter juste derrière vous là. Attendez, là, là. Allez, au dodo maintenant, c'est fini les conneries. On arrête de d'embêter les gens chez eux, hein. Laissez-les confiner. Oh. C'est pas possible ça. Ah, et voilà les runes. Ah bah regardez, oh il est vachement beau le tableau, je le voudrais bien chez moi. Bon par contre j'aurais mis un petit fond un peu moins noir, un petit peu des petites brumes, un truc. C'est un peu trop noir pour mon goût mais il est très joli. Ah, attendez, excusez-moi, je récupère ça aussi. Parce qu'à chaque fois je l'oublie lui, enfin je le manque. Et alors attends, c'est dueliste, c'est un truc d'épée. Vos cartouches infligent un peu plus de dégâts. Vas-y on prend si on veut tirer sur les mouches de sang. Oh, effet, super effect. Karnaca était une ville charmante autrefois, avant que le duc ne la fasse dépérir un petit. Elle est assez charmante quand même. Hein. Avant que le tueur de la couronne n'éclabousse les murs de sang. De ses victimes. Tu as pas fini ta phrase. Et je me demande si tu comptes lui donner le coup de grâce. Ou la sauver de la destruction. Nous avons déjà vu des villes s'étioler. Vermine, sang et trahison. Ça recommence. Sois à la hauteur. T'inquiète pas, je suis toujours à la hauteur. Tu te rappelles pas dans Dishonored 1, j'ai tué personne. Hein. Bon voilà, c'était un petit hôtel de l'Outsider. Maintenant, on va aller récupérer le corps de notre ami. Hein, qu'on doit donner à madame... mademoiselle Mindy. Lettre de... Ah bah, lettre de Mindy, en parlant de Mindy. J'aime beaucoup le tatouage dans ton dos, Amadeo. Où t'as trouvé le dessin d'origine? Tu veux en discuter? Et viens au Crown Hans à la Poussière-Ville et demande Mindy, tu le regarderas pas. Ah ouais, une... D'accord. Elle voulait en savoir plus. Ah, j'ai des tatouages, si tu veux, je peux te les montrer. J'ai un beau tatouage aussi sur la main gauche, là, dans... Bon, dans le jeu, mais pas dans la vraie vie, malheureusement, pour l'instant. Ah bah attendez! Un truc pour gagner du mana. Hop! Bah voilà! Parfait, je récupère mon mana. Et c'est tout ce qu'il y a ici? Oh bah je suis déçu. Ok. Oh, bah, il y avait des carreaux d'arbalète. Ah, parce que ça c'était un piège. Ah, bah oui, d'accord. À la base, ça devait être un piège. Hein, j'explique. Ok. Bon, bah moi j'ai fouillé tout ça plus tard. On avance, snack, on avance. Du coup, faut que j'aille retrouver le corps de mon. De monsieur. Du monsieur. Bon, là normalement, je peux pas aller aussi loin. Hein. Je vous rappelle que j'ai augmenté. Avec mes runes, toutes mes compétences. Ah, te voilà. Je sais pas comment il s'appelle. Comment il s'appelle? On va l'appeler cadavre. C'est un nom qui n'ai jamais porté, alors autant l'utiliser pour ce monsieur, ça a l'air de bien y aller. Hop là. Et du coup, il faut aller le mettre par là-bas. Oula, par contre, ah oui, par contre, alors là, ça va être chiant. Les rails du train sont électrifiés. Ouais, les rails du train sont électrifiés, oui, merci Corvo. Merci de parler, pour parler, voilà. Tu parles, vas-y, parle. Alors attendez, est-ce qu'il n'y a rien ici? Il y a rien, il y a même pas un peu de pognon. Ah, il y a des gens morts. Mais il y a du pognon. Excusez-moi, bah, vu que vous en avez plus besoin. Hein. Écoutez, moi je me sers. Hein. Faut bien que ça serve à quelque chose. Je vais vous laisser dormir. Je vous éteins les bougies. Ah, bah, il y avait des cartouches aussi. Ah, est-ce que j'ai pas avoir des nouvelles de cette madame qui est morte en écartant les jambes? Ah, bah apparemment. Encore combien de temps, trésor? Combien de temps vais-je devoir endurer cette fausse vie? Ah, bah, pas longtemps. On sauve Emilie et je te libère. Cher Emilio, voilà, je vous laisse lire. Ça va être l'histoire de ces deux personnes qui sont décédées. Voilà. Bon, allez, on continue pour la suite. Mais j'aime bien un peu l'univers, parce qu'il y a
Il y a des fois, il y a des petites histoires. Oulala. Je vous explique pourquoi je fais autant attention. Parce que chaque fois que je fais le jeu, je me casse la gueule. C'est pas drôle. Alors attendez, parce qu'il faut que je fasse gaffe à pas me faire voir avec le corps. Hop, parce que les gens qui vont voir un mec se transporter. Se transporter un corps, on va dire c'est bizarre. Quoi ? C'est bon ! Bijou. Allez, ah, vous l'avez ? Attends. Déposez-le dans. Deux secondes, t'allais dire allez, dépêchez-vous ? Tu te fous de ma gueule, meuf ? Je suis allé chercher pour toi un corps. Posez-le. Dans un putain de là où il y avait plein de gardes. Bon, il y en avait que 4, mais bon, c'était là. Quand même des gardes. Je suis Corvo Tano, mais quand même. Et tu me dis dépêche-toi. T'as de la chance d'être avoir de beaux tatouages parce que franchement. Hein... Bon, allez, on le pose. On aurait pu le balancer aussi. Vos travails. Merci. Tenez. Vous disiez connaître un moyen d'accéder à Adermir. Mais qu'est-ce que vous avez fait, ce monsieur? Pourquoi vous voulez. Je viens d'envoyer l'un de mes gars couper l'électricité qui alimente les rails. Quand ce sera fait, vous pourrez suivre la voie ferrée à pied jusqu'à votre destination. De l'autre côté, il y a une gare qui dessert Adermir. Très bien. Je vous dis adieu. Merci. Par contre, tu vas y mettre du temps. Si tu mettais de la poussière par petite poussière, tu vas mettre du temps à l'enterrer, le mec. Je sais pas, vous avez mis l'appel comment elle faisait, mais petite poussière par petite poussière. Attends, est-ce qu'elle peut nous raconter une histoire sur cet homme ? Tant de demain, on bâtit cet. D'accord, elle me dit la même chose que la dernière fois sur l'endroit. Non, mais je m'en fous. Avant, du moins. Il aurait pu être un pays de cocaïne. Ah, de cocaïne. Je crois que t'avais dit cocaïne la dernière fois. Attends, j'éteins les lumières. Dès son plus jeune âge, elle a eu l'impression d'être née dans la mauvaise vie. Oh, c'est triste. Elle a découvert son destin. Saloperie. Merci. Ça te dérange pas si je te liras? Non, bon, d'accord. Non, parce que on sait jamais, ça pourrait déranger. Bon, écoutez, alors il y a des cadavres là, je veux ne pas savoir ce qui s'est passé. Écoutez, on a fait notre part du marché. Merci, mademoiselle, elle va bien m'aider. Apparemment, elle va couper l'électricité qu'elle m'a dit des rails. Alors attendez, on va voir ça tout de suite. Hop là. Je vois pas d'ici, je vois pas. Attendez, est-ce que je peux remonter un peu plus haut? Merci. C'est coupé les rails? Ah oui. Ça y est, l'électricité est coupée. Ah tu vois, mais en plus, quand vous le dites à ma place, c'est parfait. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là. Oula, ça durera un moment, mais de toute façon, je pense que les épisodes vont être très longs, parce que vous avez vu, il y a plein d'endroits où passer dans le jeu. Et j'aime bien vous faire découvrir l'univers. J'aime bien essayer de vous montrer un peu le maximum du jeu. Bon, après on n'a pas vu tout parce que bon, je suis pas passé partout hein, parce que là, bon, là moi après je vais me promener dans ce marché là. Il y a après dans l'épisode précédent on ira voir par là. Mais après il y a encore plein d'endroits où passer. Par exemple on n'a pas passé là où il y a le portail là-bas. Bon, on le voit pas très bien de celle-là, mais on n'a pas été encore en dessous ici. Voilà, il y a plein d'endroits. Il y a une rune qui est juste en dessous là. Mais moi, bon, je vais faire tout le reste en off parce qu'il me faut des charmes d'os. Parce que vous allez voir que les charmes d'os, là, dans le jeu, ça sauve la vie. Dans Dishonored 1, ils aidaient bien. Mais là, ils vont vraiment sauver la vie. Parce que je vais vous expliquer quand je les aurai, quand je vais faire mon petit truc. Mes petites affaires. Voilà, mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve pour le prochain épisode. Et dans le prochain épisode, normalement, j'aurai vidé toute la zone de toutes ces runes et tous ces charmes d'os. Pour m'aider un peu pour la suite de l'histoire. Salut tout le monde et portez-vous bien.